Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. Bah écoutez, moi ça va parfait. Donc là, je fais un retour sur le jeu Hot Hot Halloween. Alors, le précédent jeu du Père Noël, il a quand même bien fait gonfler la balance jusqu'à 9017. On va voir donc avec ce jeu ce que ça peut donner. Alors, des mises à 50 balles, pourquoi pas? Coin 50 centimes, bet level 5. Alors, on va prendre le risque. Alors, des mises à 50, c'est toujours un risque de se faire flinguer la balance, mais bon, on va voir. Autant si le jeu est généreux, ça peut bien aussi la booster. Bon, ça, c'est jamais gagné d'avance. Alors, 77,50. C'est vrai que précédemment j'avais testé ce jeu avec des mises à 20 euros, j'étais resté un très long moment dessus, il y avait eu quand même des jolis petits wins, des jolies parties bonus. Alors on va essayer de reproduire le même scénario mais avec des mises à 50, ce qui est quand même un petit peu risqué. Alors ça part quand même vite, 9017 c'était la balance de départ, on a 8007. Et ouais, 10 spins perdant à 50 euros, c'est donc 500 balles de cramer dans la balance, donc ça peut aller très vite. Alors 137,50, pas énorme. Enfin, pas énorme par rapport à la mise, bien sûr. Alors un petit bonus, ça serait pas mal. Alors combien la balance va se prendre dans les dents, c'est-à-dire de combien elle va dégringoler avant que le bonus il apparaisse, telle est la question. Question dont la réponse est bien sûr aléatoire. Alors double wild, 32,50. Ah, feature trigger, en parlant du loup. Ok, j'avais les yeux rivés sur les jokers. Alors, si Free Games, c'est parti. Alors, 225. C'est vrai qu'on a les symboles statiques. Allez, un petit quatrième ici. Ah! Alors, est-ce qu'il prend en compte? Eh ouais, bien sûr. Hop, symbole en plus. Alors 1200, 1252 de win, on remonte à 8147, il reste deux free games. Allez, un petit cinquième symbole ici, ou un petit quatrième par là, ce serait pas mal. C'est vrai que là on est sur la lignée où ça paye x3, ici x2. Alors 700, ok. Et voilà, du coup on est remonté à 9237, on a dépassé la balance de départ. Allez, c'est parti, on continue, on va tenter de gagner un deuxième round de partie gratuite. Alors si par chance ça tarde pas trop, ça pourrait ramener du bénef. Bien sûr qu'à opposer, si ça tarde, la balance, ça va se prendre une claque.
Alors 8617, ça dégringole. Alors, dans pas longtemps, direction les 7000. Et voilà, ça y est, on y est, on a perdu le chiffre 8. Alors, effet Turtwiggered. Allez, c'est parti, hop. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, pas de win pour le moment. Ok, ici et là, d'accord. Comment ça paye? 400, 175 x 2, 225 x 3. Allez, du symbole en plus, une petite étoile en plus, hop. Un petit bonbon rose en plus. Ah non, malheureusement. Alors ici, on est sur la lignée du x3, la lignée du x2, pareil que les précédents free spin, last free game. Alors, big win. On va voir. Et ouais, 707,50. Du coup, 1932,52 win. Ah bah là, c'est intéressant. On monte à 9882. D'accord, on avait commencé à 9017. Donc, joli bénéf. Alors, comme on dit jamais 203, on va tenter de gagner un troisième round de free spin. Au risque de se faire torcher, bien sûr. Avec des spins à 50 balles, le bénef, il va vite se cramer. Alors, troisième round de free spin. Voilà, il va peut-être falloir attendre une plombe. Alors voilà comment le bénéfice il part en fumée, hop, en repassant en dessous la balance de départ, en dessous les 9000. Alors précédemment les free spins ils ont pas trop tardé, là. Je sais pas si on va avoir le même scénario, ça semble pas évident. Allez, c'est parti, on va repommer le chiffre 8. Direction chiffre 7. Alors, si on tentait, hop, allez, les mises à 100 balles, c'est parti. Alors, très gros risque pour se retrouver à 0. Et alors, la citrouille dédoublée. Ça, c'est un joli petit win. Alors, les free spins, il ne faudrait pas trop qu'ils tardent, car sinon, on va se faire flinguer les crédits, mais à coup de 100 balles par 100 balles. Là, ça peut très vite se régler. Donc là, c'est la prise de risque pile ou face, soit pour gagner gros, soit pour perdre gros. Alors, précédemment, les free spins n'ont pas trop tardé. Là, on va voir avec les mises à 100.
Et ouais, chiffre 6, la balance se fait flinguer. Alors là, ça va commencer à devenir flippant. Bientôt le chiffre 5. S'il n'y a pas de big win ou pas de free spin, c'est cramé. On va se faire racler les crédits. Bon là, c'est pas très recommandé de jouer avec des hot miss comme ça, avec une petite balance comme ça. Disons que le ratio, il est pas au top. Là, normalement, pour s'attaquer à une machine à sous avec des mises à 100 balles, il faut qu'on ait une balance bien bien plus costaud. Alors, le bonus, les free spins, quand ça veut pas, ça veut pas. Et voilà, chiffre 4, c'est ce que je redoutais. Alors, espérons qu'il y ait du bonus ou du big win avant d'arriver au chiffre 3. Sinon, ça va faire chiffre 3, chiffre 2, chiffre 1, puis triple 0 universel. Alors, 245 ici. 250. Bon, 250, c'est un beau win, mais par rapport à la mise, c'est juste 2 fois et demi la mise, donc niveau ratio, c'est pas top. 2250. Ah, ça fait plaisir. Ok. Et ouais, le x3, tu m'étonnes. Alors, on remonte à 6807. Bon, bah, tant mieux, c'est un win, un gros win qui est quand même bienvenu. Alors 485 ici. Alors les free spin, on attend. On va peut-être encore attendre une plombe. Alors big win, 1500, joli. Ouais, c'est vrai que là c'est sur la ligne du x3. Alors 7092. Bon bah ça va, il y a eu quand même quelques petits wins, deux jolis wins, donc ça limite un petit peu la casse. Alors. Feature triggered, ce qu'on attendait. Alors c'est parti. Déconne pas, file du joli win. Oh voilà, 4 symboles d'entrée, ça c'est joli, c'est beau, c'est beau. Sur la lignée du x3. Allez, un petit cinquième, un petit cinquième. Ah, alors, là c'est beaucoup mieux. Et voilà, 1600, hop. Alors, combien de free spin il reste? 2 free games. Alors à chaque fois on va faire le big win, bien sûr s'il y a un symbole en plus qui apparaît ce sera du win encore plus important. Alors là ce free game. Bon bah ça va là ça fait plaisir en tout cas, hop, bon ouais, du coup je crois que je vais me faire un arrêt de partie car... Quand même, je me suis dit, tiens, ça craint un petit peu, c'est le risque de se retrouver rapidement à zéro, donc c'est quand même tendu. Alors, 11887, c'est pas mal. 5305 de win, ouais, franchement,
serais éventuellement tenté de poursuivre la partie, mais on va quand même pas abuser. Les spins à 100, c'était risqué. Heureusement, on a eu quelques gros wins. Les free spins sont sortis. Sinon, c'était triple 0 assuré. Alors, 11 887. Ça fait plaisir. On avait commencé à 9 017. Bon, c'est vrai que ça fait 2000 et quelques, 2800 balles un peu plus de 2800 balles de bénéf. C'est vrai que pour les risques pris, c'est peut-être pas top, mais quand même, c'est toujours ça de gratter. Bon, on va éventuellement tester un autre jeu un petit peu plus tard. On va voir donc ce que ça va donner, à moins de refaire un retour sur celui-là. Enfin, on verra. Ne sait-on jamais. On va se reposer un petit peu les neurones avant de réattaquer. Allez, à très bientôt. La bise à tous.